normal ici. Justement. Pour différencier les gens par rapport au service qu'ils donnent. Mmh. Tu parles à l'agence. Mmh. Regarde là-bas le bus VIP. Voici le bus classique. On ne traite pas les gens de la même manière. Entre les... Tu pars dans l'avion, tu es dans le même avion. On dit que non, c'est la classe d'affaires, c'est la classe économique. Dans le même avion. S'il y a le crash, tout le monde meurt. On différencie maintenant. Mais quand on commence, c'est la blague. Les restaurants sénégalais, il n'y a pas de VIP là-bas. Tout le monde est mélangé. Tu vois un peu, tout le monde. Donc c'est stratégiquement qu'on fait. Et il faut penser, c'est un principe aussi qu'au temps, il faut penser, il faut réfléchir. Il faut vraiment bosser, examiner, demander conseil aux gens pour dire, ok, comment est-ce qu'on fait pour... C'est comme ça qu'on fait. Donc ça, c'est mon point de vue que j'ai par rapport à ça. Il y a une dame qui m'a consulté, elle m'a dit que elle accompagne les femmes politiques. Ici, il y a une. Waouh, super. Les femmes politiques. Les politiques, les femmes qui font la politique, c'est elle qui... Elle m'a demandé comment allez-vous, elle dit que je vais bien. Elle me dit quoi de neuf? Elle dit que non, je m'en vais de ça, il y a des droits à la conférence. Elle me dit, ah bon? Tu fais combien dans quel domaine, s'il te plaît? Toutes les affiches que je lui ai faites jusqu'ici, là, en leadership, en tout, je lui ai envoyé ça, dès qu'elle avait été dépassée. Elle m'a dit, monsieur Mouta, pour le 8 mars, donne-moi le thème, pas que me donne le thème. Elle dit, ah bon? Elle me dit que oui. Wow. Ça s'est passé en moins de 3 minutes. Mais c'est très rapide. J'ai dit en moins de 3 minutes. Quand elle m'écrit là, en moins de 3 minutes, j'ai pu la convaincre. Elle m'a dit, ok, quels sont les modules que tu voudrais, que tu penses que la classe politique a besoin? J'ai listé les modules. Elle m'a dit qu'il n'a pas le temps. La prochaine fois qu'elles vont se réunir, on va appeler pour qu'ils viennent la parler. Wow, super. J'ai dit en moins de 3 minutes. Ça, c'est stratégique. Or maintenant, dans la communauté, il devrait donc avoir les astuces, chacun en fonction de son domaine, pour voir comment on peut faire les talks. Les talks, c'est une méthode de France où on discute avec des gens. On pourra organiser des lives. Des lives, justement. Où on discute. Bon, vous avez déjà ça, c'est bien pensé déjà. Où les gens, on voit la pertinence de ce que tu dis et les choses pratiques, terre à terre. Moi, je trouve que tu es intéressant. Justement. Parce que si tu viens réciter les livres, tu viens réciter ce que le professeur agrégé a dit, le professeur ne va pas comprendre ça. Le balançant ne comprend pas ça. Si tu descends à son niveau pour lui expliquer les choses aussi complexes, là ça passe. Oui, c'est... Donc ça tout ça c'est stratégique. Stratégique. Tout ça c'est stratégique. Wow, c'est... Et une fois que c'est stratégique maintenant, tu sens comment les gens sont satisfaits de venir... voir ce que tu fais. Justement. Oh, maintenant, quand tu ne penses pas comme ça, tu mets l'accent sur des choses qui ne font pas. Tu es en train de... Ça ne marche pas. Oui. Ça fonctionne pas. On ne peut pas aller au-delà de ça. On prend quelqu'un qui fait... Il y a même des gens que je connais par rapport à une marque de jus naturel. Là. Tu dis que dans moi, tu dis par exemple, moi je n'ai pas le temps de fabriquer mes jus naturels, mais fais, je colle mon étiquette dessus. Justement. La personne fait ça à merveille. Tu prends le ticket que tu as fait. C'est ton restaurant là, tu prends du tout de fait, tout ça. Tu dis toi qui as produit, qui a parti de faire. Waouh. La synergie, ça. Si compte. Maintenant ça se passe comme ça là, on est peut-être 20 entrepreneurs. Chacun, à un moment, poste pendant une semaine, les jus, ils partagent. Dans le groupe. Ça va attirer la curiosité. Justement. C'est comme ça que tu me fascineras avec un star. Il suffit qu'on le prenne, on le brande un peu là. On communique dessus, on pousse les gens à faire pareil là. Si tout le monde pourra parler de ce moment, il devient star. C'est vrai. Si chaque entrepreneur qui est ici communique par rapport à ça, d'une manière ou d'une autre, là maintenant, ça va attirer l'attention. Justement. Donc c'est comme moi, c'est pour revenir au truc, je ne sais pas beaucoup de choses. C'est pour revenir au fait que stratégiquement, j'insiste dessus, stratégiquement, on doit. On doit vraiment réfléchir à ça. Oui. Par rapport à un projet, parce que quand on parle de projet, naturellement, on dit non, on parle de projet, il faut faire des business plans, il faut faire. Non. Ceci, c'est bien. Mais, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Moi, on m'a sollicité, une ONG m'a sollicité pour qu'elle vienne donner cours de. Suivi des projets, évaluation des projets, consultation internationale. Justement. Quand ils sont arrivés là-bas, on leur avait déjà donné
de projets, d'idées, toutes ces choses-là. Quand je me suis rendu compte que les gens ne savaient même pas négocier, ils ne savaient même pas vendre, ils ne savaient même pas ce qu'on appelle le business. Bon, le business plan, business model. Mais là, business model, les gars ne savaient pas. Non. Je suis descendu au niveau. On a parlé des techniques de vente. On a parlé du commerce. On a parlé des stratégies. On a parlé aussi de business model, de business plan à la fin. Lorsqu'on a parlé aussi du service client, comment est-ce que le service... Lorsque j'ai fait le module, je suis parti. Chacun d'entre eux, ils étaient 6, chacun a fait le rapport. Ils ont dit que la prochaine fois, ça va se passer du 6, 8, 9, ici, et à Douala, le 19, parce que moi, il serait un truc. Donc, j'ai dit que de manière qu'on rapporte ça. C'est passé comme ça là. J'ai vu comment les gens réclamaient, les gens qui vont partir appeler leurs amis. La première fois, on a fait 3, on a dit, mais on va se passer comme ça. La première fois, on a mis à 25 ans. Chacun est en train de partir appeler deux de ses amis. On avait dit que ça fait 3 personnes qui étaient là. Donc, ça veut dire que c'est 6 personnes, c'est potentiellement qui est prêt à ces 6 personnes. On a amplifié dans la communication. La communication n'était pas bonne, mais maintenant, on va passer au niveau professionnel. On a pris les bulk SMS. Qui peut toucher près de 15 millions de personnes. On a pris le spot publicitaire professionnel. On a fait des montages professionnels. On a fait les lettres dans les entreprises. Moi, ce que j'ai fait comme ça, là, le monsieur est dépassé. Il m'appelle tous les jours. Parce qu'il est sorti de la caisse. Tu vois, c'est bouleversé. Je n'ai rien fait. Il ne m'a pas donné 5 francs pour ça. C'est pour revenir au côté stratégique qui est très important. Le monsieur est parti à Douala. Il a le prix de meilleur ONG en volontariat au Cameroun. Il est là à Douala, on l'a reçu. Dans les entreprises, il dépose les notes. Il fait la promotion. Et déjà qu'on arrive. Quelqu'un qui était un petit Camerounais, aujourd'hui, il est en train de créer une autre union. Je n'ai pas donné un peu ça. Stratégiquement, voilà comment je vais penser. Il m'a dit non, comment prendre des décisions en temps de crise? Comment on va prendre la décision quand il y a la crise? Comment? Il dit que non. Il m'a envoyé 3 thèmes qu'il fallait développer parce que la première fois, on a parlé de business project. 3 thèmes qu'il a développé. J'ai mis tous les 3 là à côté. Tu es le président de l'ONG. J'ai mis tous les 3 de côté. Il dit, tu t'adresses à qui? Il a voulu réfléchir. Il dit que ce n'est pas le thème c'est qu'il faut développer. Il dit que ce n'est pas ça qu'il faut développer. Ce n'est pas ça. Leadership, il dit que c'est pas pour le monde. Tu vas être connu. Il dit que prends la oratoire. Tout le monde veut parler en public. Justement. Comment on peut transformer ses idées en argent? Tout le monde veut faire ça. Comment maintenant on peut, comment dire, on peut avoir les meilleures techniques pour pouvoir vendre un produit? Tout le monde veut faire ça. J'ai 3 thèmes là que je vais proposer. Je dis que partout tu vas passer là. On m'a demandé le thème ça. Waouh, c'est super. Stratégique aussi. On a fait la communication ici à ici à Yaoundé. Elle doit là aussi, il va le faire. Donc c'est pour te dire que côté stratégique, c'est quelque chose vraiment sur lequel il faut. Il faut tabler. Parce que quand tu ne fais pas les trucs bien, les gens vont te rendre compte que... Vas-y ça.